Ah, que je suis content de te retrouver dans cette vidéo. Et oui, puisque tu le sais, tous les mois, eh bien, je livre une vidéo sur mes investissements en bourse, c'est-à-dire que je trade en live avec toi sur cette chaîne YouTube. Et du coup, j'investis mon argent sur différentes actions boursières. Donc, c'est un objectif que je me suis fixé il y a maintenant 2 mois. Et l'idée, si tu veux, eh bien, c'est tout simplement grâce aux revenus générés par mes différentes activités, donc notamment la sous-location professionnelle immobilière, la conciergerie d'appartements, mes investissements locatifs, eh bien, tout simplement, c'est de prendre une partie donc, de mes revenus et de les investir en bourse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que je me suis fixé un objectif, c'est tout simplement que dans quelques mois, quelques années, enfin plutôt même quelques années, eh bien tout simplement, c'est de me générer des revenus totalement passifs grâce à la bourse. Et mon objectif, c'est tout simplement d'aller chercher 2000 euros tous les mois en revenus totalement passifs. Alors bien évidemment, je l'avais expliqué il y a 2 mois sur la première vidéo que j'avais publiée. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder tout de suite, je te mettrai le petit lien donc, de cette première vidéo. Et je t'invite aussi tout de suite à t'abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment. Comme ça, ça te permettra de suivre eh bien, ce challenge que je me suis fixé et de voir ensemble eh bien, est-ce que je vais atteindre mon objectif de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Alors, j'investis pas dans, je suis pas dans le principe donc du trader fou entre guillemets, c'est-à-dire qui fait du daily trading et qui analyse les actions boursières tous les jours pour voir si je me place sur telle ou telle entreprise. Mon objectif c'est pas ça. Mon objectif c'est de me placer sur des entreprises qui distribuent des dividendes. Tout simplement parce que je veux eh bien investir dans des entreprises qui vont me reverser tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Eh bien, des dividendes. Et comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse et qui ont décidé, eh bien, tout simplement, grâce aux bénéfices réalisés, eh bien, de distribuer une proportion. Donc, en règle générale, c'est entre 20 et 60% donc, des bénéfices réalisés. Eh bien, ils les redistribuent à leurs actionnaires. Et l'idée, encore une fois, et pour bien préciser, mon objectif, c'est d'investir sur du long terme. Je ne suis pas là pour investir sur quelques mois. Je suis là pour investir sur 5, 10, 15, 20 ans, investir le plus longtemps possible. Parce qu'on le sait de toute manière que ça a été prouvé, et notamment sur des actions boursières autour donc, de l'indice du S&P 500, on le sait que de toute manière, on a une progression naturelle d'année en année. Et si tu es patient, de toute manière, la valeur de ton titre va naturellement augmenter. Mais encore une fois, mon objectif n'est pas de spéculer par rapport à ça. Alors tant mieux hein, si c'est le cas, et tant mieux si mon action dans 10, 15, 20 ans vaudra beaucoup plus qu'à l'instant T où je vais me placer. Bien évidemment, mais mon objectif, c'est surtout de me rémunérer et de me constituer des revenus passifs grâce aux dividendes que versent les entreprises. Et aujourd'hui, c'est clairement possible. Alors bien évidemment, ça prend un petit peu de temps parce que je vais investir tous les mois. C'est pour ça que ce challenge va durer pendant pas mal de mois et pas mal d'années. Et l'idée, c'est de placer tous les mois une somme d'argent que je vais définir, que je définis en début de mois par rapport eh bien, à ce que j'ai pu réaliser comme profit sur mes différentes activités. Et mon objectif, eh bien, c'est tout simplement de diversifier mes placements. Tu l'as compris et c'est le principe d'un investisseur, c'est diversifier un maximum ses investissements et notamment en bourse. Et en plus de ça, je me suis fixé un objectif assez concret que je partage avec toi sur cette chaîne YouTube. Bien évidemment, les vidéos que je publie par rapport à ça ne sont pas des conseils en investissement financier. D'ailleurs, je n'ai aucune autorité par rapport à ça. Je n'ai aucun diplôme et je ne suis pas un organisme reconnu comme étant eh bien, un conseiller en investissement financier. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de partager avec toi mon expérience, mon challenge que je me suis fixé. Je le partage librement avec toi et libre à toi, bien évidemment, eh bien, de t'en inspirer ou pas du tout, bien évidemment. Petit teasing, avant que je te balance le générique bien évidemment, comme à chaque fois, petit teasing, tu vas voir que cette fois-ci, on va investir dans des entreprises qui, à mon sens, vont pouvoir eh bien, tout simplement passer cette période de récession. Puisque tu le sais, on est en août 2022 au moment où je te tourne cette vidéo, on rentre en période de récession. Les États-Unis ont du mal à l'accepter, mais très clairement, ils sont en train de rentrer en période de récession. En Europe, c'est en train d'arriver à très grands pas. On voit notamment la Grande-Bretagne qui vient d'indiquer eh bien, que son taux d'inflation a dépassé les 10%. Les professionnels nous indiquent qu'ils vont très certainement atteindre les 15-20%. Donc, c'est juste incroyable. Donc, en France, on va être concerné bien évidemment. Et l'idée, si tu veux, eh bien, c'est de placer intelligemment notre argent, enfin à mon sens, et de le placer dans des entreprises
qui, à mon sens, vont passer cette période de récession. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec une entreprise qui va dégringoler du jour au lendemain parce qu'on est dans une période très compliquée et que du coup, on va se retrouver, nous, à placer de l'argent où malheureusement, derrière, on n'aura peut-être pas le retour escompté. Alors là, ce mois-ci, je t'ai sélectionné 8 actions d'entreprise et si tu veux, on peut les classifier, ces différents titres aujourd'hui sur lesquels tu peux te placer, en 3 vraiment grandes familles. On a des entreprises, on le sait par rapport à l'histoire, qui ont très mal vécu les précédentes récessions. Et je pense notamment en 2008 avec la crise des subprimes. Tu le sais, en 2008, ça a été vraiment une crise économique très importante, majeure. Et du coup, certaines entreprises, malheureusement, performent très très mal pendant ces périodes-là. On a ensuite des entreprises qui, au contraire, se maintiennent. C'est-à-dire, peu importe ce qui est en train de se passer, globalement, elles sont relativement stables. Et au contraire, on a ensuite une troisième catégorie d'entreprises où là, au contraire, pendant les périodes de récession, eh bien, elles font beaucoup mieux que d'autres entreprises et beaucoup mieux même que les indices type le S&P 500, puisque tu le sais, je place principalement donc mon argent sur des titres d'actions qui sont sur le S&P 500. Juste pour que tu comprennes bien et si tu veux comprendre pourquoi j'investis plutôt ces entreprises-là, je t'invite encore une fois à regarder la première vidéo où j'expliquais pourquoi je vais plutôt sur le S&P 500, enfin sur des actions qui sont dans le S&P 500. Alors, ça m'arrive bien évidemment d'aller sur d'autres types d'actions, notamment des actions françaises, mais globalement, on le sait statistiquement, les actions boursières qui composent le titre S&P 500, ce sont des actions qui naturellement, d'année en année, augmentent. Et si tu es patient, si tu es capable d'attendre 10, 15, 20 ans, eh bien, tu vas voir que naturellement, la valorisation de tes actions va augmenter. Donc, petit teasing, comme je te le disais, on va voir ensemble eh bien, les actions qui, à mon sens, devraient pouvoir passer cette période de récession qui risque d'arriver très prochainement. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Donc avant de commencer cette vidéo, eh bien comme je te l'ai déjà dit, n'hésite pas à t'abonner tout de suite à cette chaîne YouTube. Ajoute la playlist de cette série de vidéos, comme ça te permettra de suivre tous les mois les différentes vidéos que je publie par rapport à ce challenge. Donc n'hésite pas à t'abonner, active la petite clochette et comme ça tu recevras des vidéos. Alors sur cette chaîne YouTube, on parle principalement d'immobilier, je te le dis très clairement, d'entrepreneuriat aussi. Et d'ailleurs, si tu veux te lancer toi aussi dans la sous-location et la conciergerie d'appartement, je t'ai préparé 2 formations totalement gratuites que tu peux découvrir dans la partie description. Donc là, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on passe tout de suite déjà sur mon téléphone et qu'on voit ensemble eh bien, tout simplement déjà par rapport au mois dernier et par rapport donc à ce qui a pu se passer, eh bien, voir un petit peu où j'en suis par rapport à mon portefeuille. Donc, tu le sais, j'utilise l'application Trade Republic. J'avais expliqué pourquoi j'avais sélectionné cette application et ce courtier donc pour faire mes différents investissements en bourse. Et d'ailleurs, si toi aussi, ça t'intéresse eh bien, de récupérer cette application et d'avoir un petit bonus d'ailleurs lors de la création de ton compte, eh bien, je t'invite dès maintenant à dérouler dans la partie description, t'y revoir et je t'ai prévu un lien spécial qui va te permettre à toi aussi eh bien, donc, de pouvoir télécharger cette application et faire comme moi, investir en bourse grâce à Trade Republic et profiter donc d'une réduction à l'entrée donc de cette plateforme. Donc là du coup, on se retrouve eh bien, sur mon portefeuille. Donc là du coup, comme on peut le voir, eh bien, j'avais déjà investi, donc on va le voir directement ici. Voilà, donc là c'était au mois de juillet comme j'avais pu t'expliquer. Donc j'avais placé différents ordres. J'avais donc envoyé donc 3000 euros donc au départ et puis donc sur le mois d'août là maintenant j'ai donc d'envoyer 1000 euros et 1000 euros. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà voir? On peut voir que j'ai déjà touché 2 dividendes, un de Apple de 0,38 euros et un autre de Reality Income de 1,03 €. Tu vois, déjà dès le premier mois, j'ai déjà touché eh bien, ces premiers dividendes. Bien évidemment, je ne les retire pas, je les laisse sur mon portefeuille et je vais les réinvestir pour profiter des fameux intérêts composés. Donc du coup, on se retrouve, eh bien, donc j'ai un solde disponible de 2228 que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui, on va le voir ensemble. Mais c'est surtout que je voulais te faire voir un petit peu mon portefeuille. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai 5108,88 € sur mon portefeuille, alors que j'ai bien placé 3000 plus,
Enfin, j'ai envoyé 3000 plus 2000. Donc, j'ai 108,73 € déjà de valorisation par rapport à mes différents titres. Donc, on les retrouve ici. On a Realty Income, Apple, donc Johnson & Johnson, Chevron qui a pris 17%, Microsoft qui a pris 10%, Nexity qui pour le coup n'a pas été très très bon, on a perdu 14%, AT&T on a perdu 10% et on voit que les autres, PepsiCo, Walmart, on a 6%, 5%, voilà, on a des valorisations, Apple qui a pris 15% également, Realty Income qui a pris 2,82%. Donc ça c'était déjà pour te faire voir un petit peu l'état de mon portefeuille au bout d'un mois. Donc comme je te l'ai dit, eh bien maintenant on va investir aujourd'hui sur des actions qui à mon sens vont passer cette période de récession. Et je pense à la première action notamment qu'on avait acheté donc le mois dernier, enfin que j'avais acheté le mois dernier, c'était McDonald's. McDonald's tout simplement parce qu'on l'a vu, c'est une entreprise qui par exemple si on prend sur 2008, on voit bien que c'est une entreprise qui a globalement largement surperformé par rapport à différentes actions et par rapport notamment à l'indice du S&P 500. Tout simplement parce que je pense que même si on est dans une période de récession et les personnes ont du mal à consommer parce que voilà, on a un coût, on a une inflation qui est là et qu'on est dans une période de récession, le fait est que sûrement et très certainement le consommateur va du coup peut-être oublier d'aller au restaurant, mais il va se dire bah, finalement McDonald's reste un restaurant avec différents menus variés et donc McDonald's est une solution de repli pendant ces périodes de récession parce que le consommateur va toujours vouloir et avoir envie de consommer et quelque part de sortir, d'aller au restaurant. Donc à mon sens, McDonald's est une très bonne entreprise par rapport à ça. Donc on peut aller notamment sur mon écran pour voir un petit peu ensemble les différentes analyses qui sont faites en ce moment par rapport à cette action. Alors on va voir ça tout de suite ensemble. Voilà, donc McDonald's, du coup MCD. Voilà, donc du coup, on a une augmentation du titre, donc déjà depuis le début d'année de plus 8%. Sur 5 ans, on est sur une augmentation à plus 64% par rapport donc au titre. Et on a une recommandation hein, qui est donc hold, buy and hold par rapport donc à McDonald's. On a des distributions de dividendes, on le sait, de 5,52 $ annuellement. Ça représente 2,10%, donc le dividend, hein, donc le rapport entre la valorisation du cours et la distribution de dividendes. Un payout, donc 55% des bénéfices qui sont reversés, enfin 55,3% qui sont reversés aux investisseurs. Une augmentation donc des dividendes chaque année de 7,92% et une distribution de dividendes depuis plus de 20 ans. Donc pour moi, c'est une société qui est relativement sûre par rapport à la distribution des dividendes et on le sait de manière assez générale que cette société avait très bien performé et on peut regarder très rapidement ici. Hein, on peut remonter sur les 10 dernières années. Donc par exemple, dans les années donc 2008, 2007, 2008, on voit bien que l'action n'a fait que progresser en fait. Hein. Elle n'a jamais eu connu de période compliquée par rapport notamment aux événements de difficultés qu'on a pu connaître sur un plan économique. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe directement sur mon téléphone et qu'on aille donc acheter une action McDonald's. Ok, donc là on est bien sur McDonald's. Donc l'action est aujourd'hui à 261,10 €. Donc on voit bien distribution de dividendes. Le dernier était distribué en juillet. On a une forte recommandation donc des analystes à l'achat, donc 73% hein, sur cette action. Mais comme tu le sais, j'ai aujourd'hui 2 000 € à investir et mon idée, c'est vraiment de diversifier un maximum. Donc, plutôt que d'investir et d'acheter une action complète, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais investir plutôt une somme d'argent. Et l'idée, c'est d'investir tous les mois une somme d'argent régulière. Et là, pour le coup, pour McDonald's, je vais investir 100 € tous les mois. D'accord ? Donc là, je vais me créer eh bien, un plan d'investissement programmé. Donc en mensuel, donc tu vois, on peut le faire aussi 2 fois par mois, on peut le faire en trimestriel. Donc là, en mensuel, eh bien, exécuter le 2e du mois ou les jours suivants. Donc du coup, je vais choisir cette option et là, je vais décider d'investir 100 € mensuellement sur McDonald's. Donc la première exécution aura lieu le 2 septembre. Je valide et voilà, c'est dans la poche. C'est-à-dire que maintenant, tous les mois, eh bien, je vais investir 100 € sur McDonald's. Alors, deuxième action que j'ai décidé de sélectionner ce mois-ci, c'est Johnson & Johnson, J&J. Donc, j'en avais déjà parlé le mois dernier. Pareil, une entreprise qui, à mon sens, ne connaît pas, entre guillemets, la crise.
Une entreprise, on voit bien, qui est fortement recommandée soit à conserver, soit directement donc à l'achat. Donc Johnson & Johnson, ce sont vraiment des produits pharmaceutiques, hein. C'est une très grosse multinationale qui fait de la distribution de dividendes. J'en avais déjà pu en parler, qui distribue des dividendes depuis plus de 59 ans avec une progression de 5,95% donc depuis les 5 dernières années, un payout ratio à 43,14% qui verse donc un annual payout de 4,52 $. Et c'est une entreprise qui, comment dirais-je, qui va énormément, enfin on voit bien par rapport à notamment à la précédente crise que Johnson & Johnson a été une entreprise qui n'a pas du tout été impactée par rapport à donc son activité. Hein, c'est une société pharmaceutique qui distribue de nombreux produits pharmaceutiques divers pour des entreprises, pour des particuliers. Enfin, vraiment une très grosse société. J'avais pu en parler un peu plus longuement le mois précédent. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe maintenant sur mon téléphone et qu'on achète tout de suite du Johnson & Johnson. Donc, on est à 166,58 € par rapport à la valorisation donc, de cette action. Donc, tu vois, elle va distribuer donc, des dividendes en septembre 2022. Elle a distribué en juillet 2022, donc on voit bien déjà la progression. Les analystes sont un petit peu aux alentours de 189,22 € le titre, alors que l'on l'achèterait à 166. Et on a une recommandation donc des analystes à 50% à l'achat et 50% conserver cette action. Donc moi, l'idée, si tu veux, c'est de faire pareil que McDonald's, c'est de faire un investissement programmé, c'est-à-dire que tous les mois, eh bien, je vais investir une somme d'argent sur cette action. Donc je vais me créer un plan d'investissement programmé, pareil en mensuel, en début de mois, et là pareil, eh bien, je vais investir 100 € tous les mois. Donc le premier prélèvement aura lieu donc le 2 septembre, donc dans pas très longtemps, la semaine prochaine. Voilà, mon plan d'investissement programmé a été créé et donc j'investirai maintenant tous les mois, eh bien, 100 € sur Johnson & Johnson. Ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est que tout simplement on sélectionne la troisième donc, action que j'ai pu sélectionner par rapport donc, à cette période de récession. Eh bien, tout simplement, c'est une action qui est Procter & Gamble Company. C'est quoi cette société? C'est une société qui commercialise des produits, et on va le voir ici, je suis directement sur leur site internet, qui commercialise des produits qui, à mon sens, comment dirais-je, qu'on soit en récession, qu'on ne soit pas ou pas, ce sera forcément des produits qu'on va tout le temps consommer. D'accord? Donc on voit notamment, on retrouve Ariel, Oral, Pampers. Ce sont des produits qui sont tout le temps, always. Voilà, on a toutes les marques qui sont ici, et ce sont des entreprises qui, peu importe les différentes périodes, donc différentes années, différentes crises, etc. Voilà, quand on parle de Pampers, Ariel, Dash, Lenor, je pense que ce sont des produits que vous connaissez bien, Always, les Tampax, Head & Shoulders, tous ces produits, Febreze, Monsieur Propre, Gillette, Braun, vous voyez que toutes ces marques, hein, appartiennent donc à ce titre, donc VIX, toutes ces marques, on voit bien, sont des marques qu'on consomme au quotidien, et ce sont des marques qui, qu'on soit en période de réception ou pas, on est tous unanimes et tous d'accord pour se dire que ce sont des produits de soins, d'hygiène, et ça, j'ai envie de vous dire, d'entretien même, et qui sont aussi même pour la santé. Donc, ce sont forcément des produits qu'on va consommer, d'accord, qu'on n'arrêtera pas de consommer. Donc, à mon sens, investir dans cette entreprise aujourd'hui est vraiment une solution pour, où on le sait, ce ne sera pas une entreprise qui va être impactée par la période de récession dans laquelle on est en train de rentrer. Donc, ce que je te propose, du coup, là, on voit bien ici, donc le titre est à 146,45 $. On a une progression de 1,45% sur un an et sur 5 ans, plus 58%. Donc, on voit bien que la recommandation donc est plutôt donc, de conserver, d'acheter. Donc, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on se place sur cette action tout de suite. Donc, on passe sur mon téléphone. Donc du coup, eh bien, on va sélectionner donc Procter & Gamble. On va aller tout simplement le taper Procter & Gamble. Voilà, donc le titre est aujourd'hui à 147 €. Donc on voit bien qu'on a une distribution de dividendes. Donc le dernier aura lieu donc ce mois-ci à 90 centimes. Le dernier apparemment était au mois de mai donc 2022. D'ailleurs, si on regarde un petit peu dans les dividendes,
Voilà, on a une distribution des dividendes depuis plus de 65 ans avec une augmentation eh bien, sur 5 ans de 5,58%, un payout ratio à 60,63% et un annual payout de 3,65 $. Donc une entreprise voilà, qui aujourd'hui a passé toutes les différentes crises. Donc à mon sens, c'est vraiment c'est du lourd. On a comment dirais-je, une recommandation à 54% à l'achat des analystes. Une conservation à 38% et uniquement 8% sur la vente. Donc moi, c'est vraiment une entreprise sur laquelle je vais aller. Donc, on va acheter, je vais en prendre 3, donc ce qui représente un total de 441,30 €. Et voilà, c'est dans la poche. On arrive maintenant eh bien, à la quatrième action que je t'ai sélectionnée, c'est Chevron. Donc, c'est une entreprise sur laquelle on avait déjà investi le mois précédent, une entreprise qui distribue les dividendes et qui, à mon sens, n'est pas du tout déconnant puisque qui est Chevron? Eh bien, Chevron, c'est la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis derrière ExxonMobil et la sixième au niveau mondial derrière BP, Shell, Sinopec et PetroChina. Et à mon sens, c'est une entreprise qui ne va pas connaître de crise pour le moment. Voilà, on peut regarder un petit peu, j'ai notamment des articles qui sont tombés. Et on voit notamment que bah, Warren Buffett se range du côté du fait que pour lui, c'est un très bon investissement. D'ailleurs, Warren Buffett possède dans son portefeuille, on le voit, il possède dans son portefeuille donc cette entreprise. Et il a même renforcé très récemment. Donc là, par exemple, on voit ici hein, le portefeuille. Donc, de Warren Buffett, hein, on voit bien Chevron Corporation qui représente 7,79% de son portfolio. D'accord? Et il vient d'ajouter récemment 1,42% dans cette entreprise. Donc, à mon sens, c'est une entreprise qui sera toujours, même si effectivement on est vraiment dans une transition où on sait que voilà, les perspectives pour 2050, bah, très clairement, sont plutôt d'abandonner comment dirais-je, toute cette énergie donc fossile, hein, bien évidemment. Mais on veut aller de plus en plus vers de l'énergie verte. Mais à mon sens, on a encore, et d'après Warren Buffett, on a encore 30 belles années où on aura forcément besoin de toute manière de pétrole. Donc, une entreprise sur laquelle je vais continuer à investir. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. Donc, on va aller sélectionner donc Chevron. Voilà. Donc, on avait déjà donc deux actions hein, sur cette entreprise. Donc, on a comme une très belle performance. Hein. D'ailleurs, on l'avait vu au tout départ quand je t'ai présenté mon portefeuille. Eh bien, ce que je te propose, c'est que tout simplement, eh bien, on vienne compléter. Alors, on va quand même aller voir un petit peu les analyses. Donc, tu vois, il y aura une distribution de dividendes de 1,40 € en septembre. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va prendre maintenant, bah, on aura une distribution de dividendes. Il y avait déjà une distribution en juillet 2022 de 1,35 €. On voit bien que ça augmente régulièrement. Et on a bah, très clairement les analystes ont plutôt tendance à dire à acheter. C'est ce qui confirme aussi sur ce que j'ai pu te faire voir sur mon écran. Conservation 41%. Ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on achète. Et là, j'ai prévu trois actions sur Chevron, acheter maintenant. Voilà, c'est dans la poche. Alors, une autre entreprise que je t'ai sélectionnée aussi, eh bien, donc on arrive à la cinquième entreprise sur laquelle je vais me placer ce mois-ci, c'est Enbridge. Donc, Enbridge, eh bien, c'est une entreprise canadienne, hein, donc du coup, qui est basée à Calgary, dont le titre fait partie de l'indice du S&P TSX 60 et qui est spécialisé eh bien, dans le transport de pétrole par oléoduc. Donc moi, je suis convaincu que c'est des entreprises qui en aura tout le temps besoin. D'ailleurs, on va le voir, les différents articles qui ont pu sortir par rapport à cette entreprise. Et on a notamment dans les actionnaires, on a quand même du lourd hein, puisque on a la Royal Bank du Canada, on a The Vanguard Group, Capital Search and Management. Voilà, on a quand même des belles entreprises de belles banques qui ont donc investi dans cette entreprise-là. Et si on regarde un petit peu donc directement sur Seeking Alpha, voilà, on a une forte recommandation donc à l'achat. Tenir aussi, voilà, on a des articles qui sont bah, plutôt positifs en nous disant que c'est une entreprise sur laquelle il faut plutôt se placer. Également, si on regarde aussi eh bien, l'augmentation du titre, on s'aperçoit qu'on a une augmentation de 12,88% donc sur cette année.
Sur 5 ans, 6,95%, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les dividendes. Voilà, donc les dividendes, on a donc une distribution, une croissance dividende depuis 7 ans, avec une croissance sur 5 ans de 8,65%. On a un paiement annuel à 2,67$ et un ratio de distribution à 120,65%. On peut aller voir également la croissance des dividendes. Voilà, donc on voit bien qu'on a une augmentation. Et depuis 10 ans, on voit bien que c'est tout le temps en totale augmentation chaque année par rapport à distribution de dividendes. Donc pour moi, c'est une entreprise sur laquelle je vais investir. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon téléphone. Voilà, donc du coup, on va aller sélectionner cette entreprise, Enbridge Canada. Donc le titre est à 43,84€. On va avoir une distribution de dividendes en septembre 2022 à 0,65, avec déjà une distribution de dividendes en juillet 2022 à 0,63. On a, d'après les analystes, une recommandation à l'achat à 50% et une conservation des titres à 50%. Donc pour moi, c'est une entreprise sur laquelle on va aller et j'ai prévu d'en acheter 5, ce qui porte un montant total donc à 220,83€. Je valide. Et c'est dans la poche. Alors, une autre entreprise que je t'ai sélectionnée pour ce mois-ci, qui à mon sens est un excellent investissement, encore une fois, ça ne regarde que moi, hein, je ne suis pas là pour donner un conseil financier, mais à mon sens, c'est un très bon investissement que je vais réaliser ici, c'est Taiwan Semiconductor, TSM, tout simplement parce que c'est une entreprise qui fabrique eh bien, des semi-conducteurs. C'est un leader sur le marché. Hein. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les différents donc leaders incontestés. Donc, on voit bien que c'est une entreprise qui est fortement recommandée à l'achat, hein, donc achat fort. C'est une entreprise qui aujourd'hui, donc pour moi, hein, tout ce qui est semi-conducteur, on en aura forcément besoin pour tous les équipements automobiles, pour tous les équipements liés à l'informatique, liés au téléphone, enfin, toutes les nouvelles technologies ont besoin de semi-conducteurs. Mais ça va beaucoup plus loin avec, parce que bien évidemment, ils ont des concurrents, mais ça va beaucoup plus loin avec Taiwan Semiconductor, puisque aujourd'hui, voilà, la production mondiale de fonderie est dominée donc, par Taiwan, captant plus de 60% de sa production totale. TSMC détient à lui seul 54% de la part de marché et c'est un leader mondial dans la fonderie. Hein. La société est une des trois seules sociétés au monde avec Intel Corporation et Samsung capable de produire des semi-conducteurs inférieurs à 10 nano. Les grandes entreprises technologiques comme Apple, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, qui sont, hein, et on voit, il y a Apple, hein, et de nombreuses autres entreprises sans usine dépendent des services de fonderie de TSMC. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein, donc, ça veut dire que très clairement, cette entreprise, aujourd'hui, on en a besoin. Alors, ce qu'on peut voir également, eh bien, c'est que donc, alors que le monde entre dans une nouvelle ère de concurrence entre superpuissances, TSMC devra réduire la concentration de ses opérations de fabrication à Taïwan en construisant des installations à l'extérieur du pays de la région. Et donc, il dépense actuellement 12 milliards pour construire une usine en Arizona. Et la production devrait démarrer en 2024 et marque la première usine américaine de TSMC en 20 ans. En conséquence, TSMC est désormais fermement positionné comme le principal catalyseur de la nouvelle révolution informatique dans l'industrie des semi-conducteurs avec de multiples architectures, plateformes de puces et équipes de conception et concurrence pour pousser l'innovation informatique et l'intelligence artificielle. Donc très clairement, hein, donc la société a relevé ses prévisions de croissance. Bref, j'ai vraiment analysé beaucoup plus cette entreprise-là et je peux vous assurer que, enfin moi, c'est vraiment une entreprise sur laquelle je vais donc aller. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on achète tout de suite des actions de cette entreprise. Alors juste avant, on va quand même vérifier. C'est vrai que j'étais un petit peu vite. On va vérifier un petit peu s'il distribue bien des dividendes. Et voilà, on a bien une distribution de dividendes. 1,93$ donc annuellement, un ratio de distribution de 7,15%. Alors c'est très faible, mais c'est normal, c'est une entreprise qui investit énormément donc dans la fonderie pour réaliser des puces, des nanopuces. Hein. Taux de croissance sur 5 ans de 10,83%. Un div rendement à 2,17%. Une forte recommandation à l'achat. Et même si on regarde la croissance des dividendes, voilà, on voit bien que. Voilà. Même si là, il y a une tendance un petit peu à la baisse, on voit bien qu'on est quand même sur une belle distribution de dividendes. Et à mon sens, c'est vraiment une entreprise dans laquelle
je crois, et dans laquelle on aura de plus en plus besoin. Quand on voit que Apple a besoin de cette entreprise, bon, pour fonctionner, à mon sens, c'est vraiment un très bon placement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à l'achat sur mon application. Voilà, donc du coup, on se retrouve. Alors, on va aller chercher TSM. C'est celle-ci. Taiwan Electronic. Taiwan Semi Conducteur. C'est celle-ci. Voilà, donc on est sur un titre à 85,60 €. Distribution de dividendes, donc ils ont distribué là le mois dernier 44 centimes. On a une recommandation à l'achat des analyses de 75% et une conservation à 25%. Donc ça, c'est un titre que je vais acheter tout de suite. Je vais en prendre 5, ce qui porte à 430 €. Voilà, acheter maintenant. Et c'est dans la poche. Alors on arrive ensuite sur l'avant-dernière, sur l'avant-dernière action sur laquelle je vais me placer, une action sur laquelle je m'étais déjà placé le mois dernier, sur laquelle je crois énormément, j'avais expliqué un petit peu les raisons et je t'invite à regarder la vidéo du mois précédent, c'est PepsiCo. Tout simplement parce que c'est une entreprise qui aujourd'hui performe énormément avec une belle distribution de dividendes et à mon sens qui est, comment dirais-je, récession ou pas, on consommera tout le temps les produits de PepsiCo. Il faut savoir que PepsiCo a une multitude de marques qu'on consomme tous les jours. Donc ce sont des produits de grande consommation qu'on retrouve dans nos grandes surfaces. Donc c'est pas uniquement Pepsi, hein, c'est vraiment il y a toute une série de marques sur laquelle que vous achetez forcément. Donc du coup, bah, PepsiCo fait partie des entreprises sur lesquelles je vais me placer et j'ai même envie d'aller plus loin que ça. C'est une entreprise sur laquelle je vais investir dorénavant tous les mois. Donc du coup, bah, l'idée c'est qu'on passe maintenant sur mon téléphone et qu'on fasse un plan donc d'investissement programmé. Voilà, donc on arrive du coup sur mon téléphone. Donc on va aller voir PepsiCo. Donc on est, alors c'est vrai que le titre est quand même assez cher, il est à 178,56 €. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, un plan d'investissement programmé me paraît plus pertinent, puisque là pour le coup, je vais investir une somme d'argent, je ne vais pas acheter une action complète. J'avais déjà, donc toi, j'avais acheté donc une action, hein, une seule, parce que forcément, on a déjà une croissance donc de 6,67% par rapport à mon prix d'achat du mois dernier. Distribution de dividendes en juillet de 1,08 €. On a donc les analystes suggère à l'achat 50%, 41% donc à la conservation et on a quand même 9% d'analyse qui conseille plutôt de vendre. Mais à mon sens, c'est vraiment une entreprise qui va continuer à performer. Et donc, ce que je te propose, c'est que cette fois-ci, alors on va pas du coup, on va faire un plan d'investissement programmé mensuel, comme je te le disais, en début de mois et je vais investir 100 € chaque début de mois. Donc, ça va commencer le 2 septembre. Et voilà, le plan d'investissement programmé a été créé pour PepsiCo. Et enfin, on arrive à la dernière action. Pareil, une action que j'avais déjà sélectionnée le mois dernier, mais qui pour moi, encore une fois, est une entreprise sur laquelle on peut investir. C'est une entreprise qui donc gère donc de l'immobilier. Tu le sais, j'ai une particularité, moi, c'est l'immobilier, ça me plaît énormément. Et on a donc la société qui s'appelle Realty Income. Et cette société, eh bien, on va le voir encore ensemble ici sur mon écran. Directement. Voilà. Voilà, on a encore tenir, acheter, achat fort par rapport aux recommandations. J'ai pu regarder un petit peu les différents articles qui ont pu sortir par rapport à cette société et très clairement ce qui la compare à d'autres entreprises et très clairement c'est celle qui a les reins entre guillemets les beaucoup plus solides. Donc on a des dividendes, distribution de dividendes. D'ailleurs on l'a vu, j'ai déjà eu une première distribution de dividendes de cette société puisqu'elle distribue des dividendes tous les mois, donc ça c'est plutôt cool. 2,87 $ par an, une croissance 3,83%. Elle distribue, il y en a une croissance des dividendes depuis plus de 25 ans. Donc une entreprise franchement dans laquelle je ne vois aucun problème, une entreprise vraiment solide, hein, qui est vraiment solide. Et bah, ce que je te propose tout simplement, c'est qu'on renforce ce mois-ci sur cette entreprise et qu'on passe sur mon téléphone. Alors, on va aller chercher Realty Income, voilà, qui est juste ici. Donc le titre est à 70,52 €. Donc j'avais déjà acheté 5 actions le mois précédent. On est déjà sur une performance à 2,65%. J'avais acheté à 108,70 €. Donc le titre a augmenté.
On a eu, bah, comme je te l'ai dit, une première distribution de dividendes en août, une autre au mois de juillet, il y en a une tous les mois, on voit bien. Donc bah, l'idée, c'est tout simplement qu'on renforce. Les analystes conseillent à l'achat donc à 47%, 53% donc conservent, enfin, comment dirais-je, suggèrent de conserver le titre. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on vienne renforcer avec 5 titres. Donc du coup, pour un montant de 356,15 €. Je valide et c'est dans la poche. Du coup, si on fait maintenant un petit point sur… donc là, j'ai terminé mes différents investissements. Donc, on voit ici tout ce qui a pu être réalisé, donc investissement programmé. On a donc un solde donc, de 281,01 € qui reste sur mon profit, sur mon portefeuille. Mais voilà, les investissements ont été programmés directement. Donc là, tu vois, il y a 100 € qui va être débité donc pour Johnson & Johnson, 100 € pour McDonald's et 100 € pour PepsiCo. Donc, on voit qu'il va me manquer un tout petit peu. Donc, je vais recharger bien évidemment pour que le 2 septembre, eh bien, ces investissements programmés que j'ai pu enregistrer puissent passer. Mais voilà, on a bien consommé l'intégralité donc des 2000 € que j'avais pu réaliser. Voilà. Voilà, donc du coup, eh bien, on a terminé pour eh bien, ce mois-ci, hein, ce mois d'août. Donc, j'ai fait mes différents investissements pour le mois. L'idée, c'est qu'on se retrouve le mois prochain, qu'on fasse le point par rapport à mes différents investissements que j'ai pu réaliser, le point sur mon portefeuille, le point aussi sur déjà la distribution de mes dividendes et que le mois prochain, eh bien, on continue à investir une certaine somme d'argent que je définis à chaque fois en début de mois par rapport à mes différentes sources de revenus, comme j'ai pu te l'expliquer, qui me permettent eh bien, de faire de la diversification par rapport à mes investissements. On a terminé, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu bien évidemment si cette vidéo elle t'a plu. Je te dis rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce challenge.